Et yo les Wanili, on se retrouve aujourd'hui sur le dôme, tout simplement, de l'araignée Gypsy, d'accord, qui monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, Gypsy tombe par terre et on lui roule dessus. Alors, c'est un boss en deux phases, alors nous on arrive à faire deux phases, ce qui est plutôt pas trop mal. Alors quand vous avez de la chance, vous avez pas ce putain de venin sur vous, donc vous avez pas forcément besoin de bouger. Bon malheureusement là comme vous voyez, j'ai pas de chance. Donc comme j'ai pas de chance, bah je suis obligé de me mettre tout là-bas, j'ai stoppé tout mon DPS, tout ça. Voilà. Je fais tout péter ici. Donc on reprend le DPS, ce qui est important c'est vraiment de mettre les venins d'un côté, les tornades de l'autre, parce que sinon après c'est flaque verte partout et tu meurs. Allez, on va en marche arrière, tranquillou tout le monde. Donc là on reprend notre cycle DPS, hein, comme on peut. Je te suis. Pourquoi on switch de côté? Parce qu'en fait, quand elle monte en l'air, on va de l'autre côté et après on la ramène. C'est beaucoup plus simple. Enfin, on fait ça depuis quelques semaines et c'est très très bien. Du moins pour le HM. Pour le mythique, je sais pas. Vraiment, j'ai pas touché. Donc, je ne sais pas. Là, on sort de la zone, tu le transfert. Moi, je peux continuer à taper l'araignée, mine de rien. C'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup d'AOE, donc... je préfère me focaliser sur l'araignée, c'est quand même du DPS pas gâché, on va dire. Donc là, il y a des gens sur la flaque, ils ont pas c'est pour toi, hein. Là, je suis obligé de reprendre le boss, parce que j'ai pas beaucoup de stack. Je vais me mettre là-bas, allez. Là, il y a la transformation. Alors nous, quand il y a la transformation, on se met contre le mur, ça évite en fait qu'on bouge ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fait, on va être... pousser vers l'arrière, mais comme on est contre le mur, on peut juste DPS poteau. Par contre, la tornade là à droite, Trinity, bah, faut vraiment. Tout en essayant de mettre. Tout en essayant que la tornade aille bien sur le côté, très bien sur le côté. Allez, et pas à côté des flaques. Vous me suivez, les autres. Alors, je crois que j'ai pas de plume sur ce fight. Donc, j'ai pas de plume, c'est pas grave. On y va quand même. Alors, faut savoir que nous, on pose toujours un portail démo. Ça aide. En fait, vous allez voir, là j'ai juste à faire transfert. Je prends le portail, on est déjà de l'autre côté. Ça évite de traverser beaucoup pas plus devant, vite. Pas on perd beaucoup moins de gens. Zonar, prépare-toi. Et là après, c'est juste du boss poteau. D'accord ? Pourquoi boss poteau ? Parce qu'il y a deux choses qui vont se passer. Quand vous allez avoir le venin, il va bien falloir le mettre d'un côté. Et quand vous allez avoir les tornades, il faut le mettre juste de l'autre côté. Et ça, faut vraiment faire très attention à ça. Parce que là, par exemple, la tornade était à les côté voies, de la flaque, donc on se prend bon côté, plein de vols, et c'est très très compliqué. Mais après, c'est vraiment que du boss poteau. Le tank se cale au fond comme ça, et après, c'est que du boss poteau, que du boss poteau. Les tornades bien à droite, nous les flaques bien à gauche. Et après, ça passe comme une lettre à la poste. Même si la poste, des fois, ils ont quand même des problèmes. Donc là, après, on garde notre cycle hein, classique. C'est-à-dire, proc en prio. On envoie les javelots, rafale javelot. On essaye de garder un maximum de traits sous la rune. C'est ce que je fais, hein, vous voyez. Là, j'attends mon trait pour envoyer ma rune en même temps. Et ma veine glaciale, je crois même. Non ? Franchement, alors. Mes procs. J'envoie veine, rune, trait. Et là, je remonte au DPS, quand même plus ou moins. Donc là, on est à 210k à peu près, ce qui est normal. Hein, c'est parce que c'est vrai que l'araignée, on switch pas mal. On va essayer de reculer un peu. On est remonté à 220. On est pas dégueu, ça va. Allez au fond, là, hein, au niveau du portail. Hein, je prends les araignées. Beaucoup d'araignées, là, mais bon. C'est pas grave. Alors moi perso, je me focalise toujours sur le boss. Hein. C'est vrai que c'est rare quand je tape les araignées. Faut pas m'en vouloir. Reprends le boss. Je vais me faire taper d'ailleurs. Les gens de la guilde vont regarder cette vidéo là et vont me dire que t'as plus à mort. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup de sorts d'AOE et c'est compliqué. Je pense que je perds plus de DPS à vouloir taper plusieurs cibles que plutôt de tuer le boss quoi. Donc là, notre tank est mort. C'est à toi de venir. C'est pas autant de venir à toi. Je tue même l'araignée. Là, il peut pas se le permettre. Par contre, faudrait bouger le boss parce que là, il est en prochain rest battle dans 34 secondes. Ouais, décale-toi, Xana, hein, décale-toi. Donc là, j'avais montré, j'envoie la rune tu en même temps. Un res, Kirby, dès que tu pourras. Allez, vous continuez la strat, hein, vous la connaissez. Non, mais là, regardez, voilà.
Faites gaffe, sortez bien. Tous ceux qui ont les araignées, ils vont sur Xonar. Hein, ils cherchent pas, ils vont sur lui comme ça il peut tout reprendre. Full heal sur Xonar. Restez pas dans les tornades. Hein. Donc là on est à 15%. Comme je vous disais, après c'est du boss poteau. C'est juste, vous avez le venin, vous le mettez d'un côté. Vous avez la tornade, vous le mettez de l'autre côté. Et après, non, non, mais de toute façon, j'ai dit que ça reste sur moi et non sur Shai. Non, je prends le boss. Je lui ai mis du poison devant lui. Dépêchez-vous là, il faut le finir là. Putain, j'ai la tornade, je me boss tout le monde là, au-dessus du boss, hein, on est en transi. Hein. Vous êtes tous au-dessus du boss. Hein. Donc là, on essaye d'aller au-dessus du boss. Quoi. Ah, mais les voids, vous avez tellement bien placé le tout qu'en fait, bof quoi. Voilà. Hein. Allez. Prenez tous une plume, tous ceux qui peuvent. Donc là, il est carrément passé de l'autre côté. C'était la première fois, effectivement. On a récupéré allez. Tout de même une plume. Je crois qu'on va même mourir comme une merde dans la flaque. Ouais, voilà, c'était ça. Bon, ils arrivent quand même à le tomber. Alors, c'est vrai que c'était très laborieux. On prend Xenar. Mais bon! On a quand même réussi à le tomber. DPS, les survivants. Généralement, en fait, en P2, si vous voulez, on arrive à plus de DPS. Et comme on arrive à beaucoup plus le boss poteau, très vite, très très vite, on le défonce. Et donc, on arrive à loot ce bijou que je vous montre. Bijou qui est pas trop mal, c'est pas trop mauvais. Pas trop mauvais. Tu es mort, reprends-le. Donc voilà pour la Rémi. C'est moche, mais c'est tombé. Chipsy. Horrible. Allez, à très bientôt, les gars. Ciao. Je finis le fight, je suis...